trois activités économiques, trois nouveautés à Souffalvayersheim, deux rue des Tuileries et une chaque jeudi après-midi devant l'espace des Sept Arpents. Le premier projet, le Warson Shop and Café. C'est l'univers de la moto combiné avec de l'automobile, axé sur le vintage, avec des anciens coureurs automobiles des années 60-70. L'idée, c'est de rassembler des passionnés avec des produits atypiques. Particularité ici, on peut boire un coup, boire un café, boire une bière, manger un hot dog, discuter, se rassembler autour d'une même passion. Dans la même rue, Serre Délier depuis 1932. Ici, on retrouve tout l'univers de la pâtisserie, de la boulangerie et de la restauration. Ustensiles, préparations, accessoires, il y a tout ce qu'il faut pour le professionnel et le particulier. Et à l'étage, des cours de cuisine commencent courant octobre. Dernière nouveauté, l'épicerie ambulante, vrac par-ci, vrac par-là. On se déplace sur les marchés hebdomadaires principalement pour proposer à la population locale l'alimentaire et le non alimentaire ainsi que le cosmétique en vrac. Et nous avons principalement des produits locaux alsaciens. On propose à nos clients de venir avec leur bocal, leur tub, leur contenant, ce qu'ils veulent. À défaut, nous avons des petits pochons en lin, des bocaux à leur donner également gratuitement pour les aider dans leur démarche. Et c'est tous les jeudis de 15 à 19h sur le parking des Sept Arpents. Warson Shop and Café, Serre Délier et Vrac par-ci, Vrac par-là, trois entreprises à découvrir à Souffalvayersheim.